04. Donc aujourd'hui au programme, on va faire du stamp, les tout petits échauffements qu'il y a au tout début de la méthode stamp, qui sont très bien, et notamment des exercices de respiration que je trouve toujours intéressant à faire, notamment le matin, ça réveille un tout petit peu le diaphragme. Ensuite, toujours notre leçon 4 de Clark, on va essayer d'augmenter le tempo, hier on était à 110. Le déchiffrage de la quatrième étude petit, les gammes balai, mi majeur, j'ai enfin retrouvé ma gamme balai. On va continuer la première suite de Bach. Et à la fin, trompette naturelle avec notre cher exercice de l'éléphant. Alors tout de suite, la méthode James Stamp, voilà qui s'affiche. Où est-elle pour moi? Elle est ici. Alors, la méthode Stamp. Au tout début, je vais essayer de vous zoomer, voilà. Il y a des petits exercices qui sont vraiment bien, tout simples, mais voilà, qui permettent de réveiller un tout petit peu nos poumons. Donc on va le faire, inspirer en comptant 8 temps, retenir le souffle sur 8 temps, expirer 8 temps. Voilà, il dit qu'on peut le faire 8 fois, là je vais faire un peu moins, mais surtout, donc toujours bah, ne pas lever les épaules évidemment quand on respire. Et puis, tout simplement, le fait de retenir le diaphragme comme ça, on sent bien la tenue de notre diaphragme en retenant la respiration. Alors ensuite, il propose d'inspirer sur 8 temps, d'expirer en un temps. Et de faire le rester vide sur 8 temps. Donc là, pareil, on sent encore une fois le diaphragme qui est en tension, mais cette fois-ci du fait du vide de l'air. Et puis ensuite d'inspirer en un temps, de retenir sur 8 temps et d'expirer en 8 temps. Voilà, etc. Donc on peut les faire 8 fois ces exercices, c'est très bon. Bon, après, il développe encore d'autres exercices, il explique un peu les signes. On va pas faire la chauffe de... Salut Fabien! On va pas faire la warm-up de la première leçon que tout le monde connaît, mais d'abord les exercices d'embouchure en fait. Et alors il explique quelque chose que... En effet, mon premier prof, Dominique Colmar, qui avait travaillé avec James Stamp, m'expliquait aussi, c'est que il faut vraiment donc tenir l'embouchure, hop, voilà, avec la main gauche, à deux doigts, et garder les autres doigts détendus sans les serrer. Parce que souvent, je remarque quand on apprend ça aux élèves, alors soit ils vont mettre le majeur pour faire un appui supplémentaire, soit ils vont fermer le poing pour appuyer. En effet, ou s'ils libèrent la main, bah, hop, la main elle passe comme ça parce qu'ils ont envie d'appuyer sur la lèvre du haut. Donc on le voit bien sur la photo en dessous, bon, qui n'est pas en bonne qualité là sur la photocopie, mais vous voyez, il a vraiment la main ouverte et détendue. Et il dit en gras, c'est un point essentiel de mon enseignement. Donc c'est vraiment important. Et souvent, on fait faire stamp un peu n'importe comment, les élèves se serrent l'embouchure, ça, voilà. Mais vraiment deux doigts
pas plus le pouce et l'index pour tenir, la main ouverte. Et puis, donc on va faire ces petits exercices d'embouchure. Je vais prendre les notes au piano. Alors, ils sont bien connus, hein, mais c'est tout simple et vraiment bien pour chauffer. Ah! Il enseigne la trompette à ta fille à Évreux. Je ne savais pas que Dominique Colmar était à Évreux maintenant. Moi, j'ai commencé avec lui au Mans, au Conservatoire du Mans. Il me semblait qu'il était à Évron ensuite. Mais bah, c'est super, c'est un super prof. Et moi, je trouve qu'il était excellent pour nous démarrer parce que on avait après une position. Moi, j'ai jamais eu à rectifier ma position et j'ai vu beaucoup d'élèves à Paris qui venaient d'autres conservatoires et qui devaient rectifier des positions parce qu'il y avait eu des problèmes, ça a été mal démarré. Et Dominique Colmar, il était excellent, il est encore excellent pour démarrer comme ça. Bien centrer les élèves, trouver une position intuitive, naturelle. Donc, j'ai de très bons souvenirs des cours avec lui, c'est un super prof. Donc, on va commencer. Voilà, je prends les notes au piano. Et alors l'idée toujours, c'est cette petite marche d'escalier, c'est aussi de rester sur la force, sur la tension du diaphragme de la note aiguë. Donc de ne pas faire ta-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 
Donc on continue. Ré. Et toujours en essayant de maintenir la main le plus détendue possible, en fait, que ce soit vraiment avec cette force intérieure et pas avec un appui sur la bouche, puisque bah, la James Stamp, c'était toute l'école américaine dans les années 70 du no pressing, dont on est un peu revenu, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun appui sur la bouche. L'embouchure est posée quand même sur la bouche, mais en tout cas, la recherche de ne pas écraser les lèvres. Et on va essayer le dernier. Voilà, c'est toujours utile, ça prend 10 minutes de le travailler. Là, je vois que sur si et do dans l'aigu, je crispe un tout petit peu la main. Donc voilà, toujours à travailler ces choses-là. On va continuer avec notre leçon 4 de Clark que je vais vous réafficher à l'écran. Alors, la dernière fois, on était à 110. On va voir à quelle vitesse on va pouvoir aller cette fois-ci. Peut-être 120, je vais essayer. Donc, leçon 4 de Clark, voilà. Est-ce que ça s'affiche bien? Hop. Alors, faut que je me repère avec tous mes écrans. Voilà. C'est bon. Donc, leçon 4, on va voir, on était à 110. On va tester 120 pour voir, et puis si c'est trop rapide, je prendrai un tempo intermédiaire. Donc, la trompette si bémol. Si vous êtes trompettiste, n'hésitez pas à le travailler avec moi. C'est parti. Remettre à 118, on va voir. Sol. Non, je suis derrière. Je vais remettre à 118. Je vais peut-être rester après plusieurs semaines à cette vitesse-là, plusieurs jours, pardon, à cette vitesse, parce que là, ça plafonne un peu à 118, donc je vais pas aller plus vite pour l'instant. La bémol. Thank you.
c'est pas évident pour le centrage dès le matin. C'est peut-être le seul défaut de la méthode Clark, de démarrer comme ça, toujours dans l'extrême grave de la tessiture. Donc, bon, là, je le fais comme ça, mais c'est vrai que ce qu'on faisait avec Bruno Nouvion, sinon, c'est qu'on partait par exemple du sol médium et on en prenait un au-dessus, un en-dessous, un au-dessus, un en-dessous, ce qui permettait de démarrer dans une tessiture de confort et d'aller chercher le grave progressivement. Parce que là, c'est vrai que retrouver la vibration sur des fa dièse graves dès le matin, ça fait du bien. La majeure maintenant. Troisième piston. On va refaire celui-là, tiens. À la fin, ben c'est infernal. Si bémol. Petite formule de fin, justement, comme il y a beaucoup plus de changements de piston, ça demande vraiment de pousser l'air en compression pour qu'il sorte. D'ailleurs, il faut que je m'applique à moi-même ce que je donne comme conseil aux élèves, c'est que quand on bouge très vite les pistons, évidemment, on change la course de l'air dans l'instrument de manière très rapide dans les différentes coulisses. Donc, il faut vraiment mettre l'air en compression pour que on entende distinctement toutes les notes. Si majeur. N'hésitez pas à commenter, je vois que vous êtes nombreux, et à partager et à travailler avec moi si vous êtes trompettiste. Voilà, on va faire ré bémol majeur. Celui-là, il fonctionne mieux que si majeur. Alors, ensuite, on va faire ré majeur. Alors, attendez, je remets mes écrans parce que ça saute un peu. Voilà, ré majeur.
déjà dit, hein, pas hésiter à enlever le petit doigt de l'anneau pour avoir la liberté, notamment avec l'annulaire, donc le troisième doigt de la trompette. Mi bémol majeur. À chaque fois des doigts à la fin qui est pas évidente. Mi majeur. Sol bémol majeur. Alors, sol bémol majeur, de mémoire, voilà, il m'embêtait un peu hier, donc on va voir ce qui donne à 118. Il va un peu mieux, c'est toujours ces formules de fin, il faudrait que je les travaille. Demain, je ferai peut-être ça indépendamment que les formules de fin. Voilà, ça fera pas de mal. Alors, pour la plupart des partitions, je vous remets le lien. Alors, la plupart sont sur la BNF, et puis il y a aussi un site IMSLP. Voilà, que je vous écris dans le chat. Il faudra que je mette un lien aussi vers ça. Donc IMSLP, International Musical Score Library Project, c'est un site sur lequel il y a toutes les partitions libres de droits d'auteur, et c'est le cas de cette méthode Clark que j'ai trouvée là-dessus, voilà, donc puisque ça date de 1912, on est en 2020, il n'y a donc plus de droits d'auteur sur Clark, donc on peut légalement le trouver sur ce site. On continue avec Sol majeur. Je vois que c'est pour l'instant, ça fait longtemps que je ne l'avais pas refaite vite celle-là, parce que évidemment quand on le fait avec les élèves, ils jouent un peu moins vite. Je crois que Clark dit, on va vérifier jusqu'à 144, donc là on est à 118, ça peut être un bon défi, mais 118,
Pour certains, ça va, pour d'autres, je suis un peu au maximum. Voilà, c'est ça, il dit jusqu'à 144. Donc, bah, ça peut être un bon défi d'essayer de voir si on peut aller à 144. On était à la bémol, donc on va faire la bécart. On va regarder par curiosité ce que ça fait 144 comme tempo. Assez vite pour là, ça va encore, mais pour voilà, tous les tonalités en bémol majeur, là ça va faire un bon défi. Et puis pour la souplesse aussi, là dans l'aigu, si bémol, on va retourner à 118 tranquillement. L'avant-dernière note, je remarque, c'est souvent l'avant-dernière note de la formule qui me gêne parce qu'il y a les inversions de doigté. Donc je crois que demain je vais faire une spéciale terminaison de la leçon 4 là et que je vais toutes les faire en boucle jusqu'à ce que ça rentre. Alors, on continue, on termine avec Do et Ré bémol. C'est pas évident à centrer là sur la trompette en si bémol. Moi j'aime finalement pas trop la trompette en si bémol. Je suis plus à l'aise sur. J'ai toujours été plus à l'aise sur la trompette en oud. Mais voilà, ça fait toujours du bien à travailler. Je trouve que ça demande un plus grand effort, un plus grand effort de centrage, la trompette en si bémol. Alors on va continuer avec les fameuses grandes études petits. Je vois qu'il y a un fa pédale, c'est formidable. Voilà, alors on va faire l'étude numéro 4. On va déchiffrer l'étude numéro 4. Dédiée à son élève Noël Labori, premier prix de conservatoire. Alors c'est Andantino. On va regarder ce que ça peut faire comme petit tempo. Voilà, autour de 80. Elle a l'air un peu plus chantante que la dernière qu'on avait faite. Donc c'est parti pour cette quatrième étude petit qu'on va déchiffrer ensemble. Est-ce que j'ai réglé le micro? Ouais, c'est bon. Thank you.
piano. Tout ce que j'adore, c'est avec l'occasion, je vais travailler ça un peu. Ensuite, même mouvement avec des fa pédales, c'est sympa celle-là, c'est vraiment une étude sur la souplesse, l'ambitus de la tessiture, on passe de l'aigu au grave, un peu à la Intrada de Honegger, là, à peu près toutes les deux mesures, donc ça fait du bien. Ça pour le centrage. Donc voilà, toujours comme évidemment ce sont des déchiffrages, et ben, y a toute cette anticipation des intervalles, une fois qu'on les a, ça marche bien, mais quand on lit, c'est pas évident, donc ça fait aussi travailler le déchiffrage. On continue, première ligne sur le piano. Thank you.
Ensuite, on a un champ large. Avec toujours des arpèges qui descendent dans le grave, c'est le plaisir. C'est parti. Voilà, donc ça marche mieux quand on est bien placé, une fois qu'on fait une deuxième lecture, qu'on a vu un peu les enjeux d'énergie. Alors, on va voir à combien de temps on en est. Parce qu'apparemment... Ouais, ça fait déjà 43 minutes. Bon, on va quand même continuer avec les gammes ballet. Donc je vous trouve ça. Gamme ballet que j'ai retrouvé. Voilà, et j'ai retrouvé notre gamme de mi majeur. Donc c'est parti, et cette fois-ci en trompette lutte. Alors, voilà. On va chauffer un peu la hutte. C'est marrant, comme j'ai l'oreille absolue, pour moi la hutte ça a toujours été beaucoup plus simple que la trompette si bémol parce que je joue la note que j'entends, donc il y a un truc beaucoup plus intuitif dans le jeu. En tout cas, mi majeur, c'est parti. Gamme ballet.
faire milieu de la deuxième ligne. Voilà, ça c'est mieux. Ensuite, le ternaire. Pareil, milieu de la troisième ligne. Ok, donc ça c'était pour nos petites gammes balais. La prochaine fois, on fera la tonalité de Do dièse mineur. Maintenant, on va faire, ah oui, les suites pour violoncelle de Bach. Donc toujours dans, il y a la fameuse méthode Bach-Gizondi que. Attendez, je vous remonte le micro, pardon. Donc il y a la fameuse méthode Bach-Gizondi qu'on connaît bien, mais il y a aussi David Cooper qui a arrangé les six suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Voilà, donc la dernière fois, on avait déchiffré le prélude. Ah, évidemment, c'est beaucoup moins connu que les études parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a vraiment l'intégralité des six suites transcrites à la trompette. Donc on avait vu le prélude de la suite en sol avec des souplesses redoutables, des fa pédales. Ça finissait là-haut un peu en exercice de harmon. Tato, tati, 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 tati. Voilà, et là, on va tenter l'allemande. Toujours de la première suite en sol, donc cette fois-ci transcrite en si bémol majeur ou en do majeur. Alors, moi qui suis ex-violoncelliste et qui ai joué cette première suite de Bach, c'est vrai que c'est assez perturbant en fait de jouer dans une autre tonalité les suites et puis avec des petits arrangements d'octaviation qui ont été faites par l'arrangeur. Mais bon, on va quand même tenter de voir comment fonctionne un peu cette allemande, avec sûrement encore beaucoup de souplesse et beaucoup de tessiture. Je vérifie juste hop, le débit, ça fonctionne bien. Et c'est parti pour l'allemande. Merci, tu es le 21e follower du stream. Je remonte le micro. Pardon, donc bienvenue Saririus, 21e follower du stream et merci de suivre donc le stream de la trompette. On est en train de déchiffrer la suite en sol, l'allemande de la suite en sol.
de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle transcrite à la trompette. Et donc on continue. Où est-ce que j'en étais? La suite. Donc ça fait du bien pour moi. En fait, c'est pas tant le texte qui est difficile là-dedans, c'est que c'est vraiment si on veut ensuite l'enchaîner, de caler les respirations, parce que c'est vraiment dur, je trouve, le fait qu'il n'y ait vraiment jamais de pause, donc de trouver où et comment et à quelle intensité caler ces prises d'air. Et puis le placement, ça fait vraiment faire un énorme travail de diaphragme aussi, surtout je trouve sur la trompette si bémol. Alors, demain on essaiera. La courante, ça va être sympa aussi, encore des fa pédales, décidément, entre l'étude et ça. On n'arrête pas de faire du grave, ça fait du bien. Et donc pour terminer, on va voir si ça marche encore un peu. On va faire du Édouard Tard. Donc je vais chercher ma trompette naturelle et j'arrive. Donc, Édouard Tard, je vais rappeler un peu de quoi il s'agit. Donc, voilà, je rappelle que moi je ne suis pas trompettiste naturel, mais que j'essaye, trompettiste baroque, mais que j'essaye de m'y initier par moi-même à travers la méthode d'Édouard Tard. Donc, on va essayer un peu la fin de cet exercice de l'éléphant. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que la difficulté c'est de centrer, de canaliser les notes sur cette trompette naturelle, donc en ré au diapason baroque, ce qui fait do dièse, et donc de trouver d'abord lié puis détaché, sans que ça déraille trop, mais d'où le nom de l'exercice de l'éléphant. Voilà, donc il explique ça avec un joli petit dessin d'éléphant ici. Donc on va tester ça, on va tester le numéro 18, on va voir ce que ça donne. Thank you.
l'énergie. Et la descente. C'est pas ça tout à fait. Alors, on va tenter de le faire en détaché. Ce qui est génial avec cet instrument, c'est qu'on peut littéralement pas appuyer. Donc, pour faire le lien avec la méthode stamp au début du stream, là, on n'a vraiment aucun moyen d'appuyer. Donc, c'est vraiment sur l'énergie intérieure. Mais de trouver, voilà, ces notes, on a l'impression que toutes les notes, c'est un peu comme le corps ou le corps naturel, quoi. Toutes les notes sont très proches. Donc, c'est vraiment difficile de viser la bonne note. On va essayer de faire avec le détaché, donc tu-lu, tu-lu, tu-tu, tu-lu. On va voir si j'arrive à penser à cette articulation-là. Ça me fait penser à cette vidéo de Alison Brampson, je pense que c'est en enregistrant Téléman, où elle le fait à la naturelle et à la fin de la prise, on la voit comme ça, tellement elle a dépensé de l'énergie. On va tenter la descente. Oh, si, la, si, do, si, la, do. Faire la bonne formule. Voilà, vraiment pas évident cet exercice. On va essayer de voir ce qu'il nous propose ensuite. Alors évidemment, des choses pour monter très haut. Donc il donne un exemple de la sonate de Torelli. Do di do di do di do di di da di da di da di da 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 di da di da di da di da do. Donc tu du tu du tu du tu du, ça j'arrive à peu près. Par contre tu du tu du tu tu du du tu du tu du tu, ça c'est, je sais pas comment il fait. On va tester ces articulations-là. Donc, tu, 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 tu. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que c'est en effet ce que j'avais lu dans les traités de trompette baroque quand j'ai fait mon mémoire au CNSM sur l'articulation. Et finalement, cette deuxième articulation, tu. Elle aide beaucoup plus à couler les notes. Et c'est vrai que sur les traités d'articulation, ils mettaient, enfin les traités de trompette, ils mettaient des détachés parfois très étonnants, de, alors que maintenant on parle toujours de faire te dans la trompette moderne. Mais c'est vrai que dans la logique de l'instrument, là, ça fait un peu sortir les notes un peu plus facilement. On va essayer. Deux, trois exercices qui continuent et puis après travailler un peu les trilles pour terminer.
j'apprenne les doigtés aussi, les doigtés de la trompette naturelle, c'est-à-dire les notes à déboucher pour jouer un peu plus juste. Alors, ensuite, il dit avec ces exercices suivants, la note aiguë ne doit pas être trop basse, trop sans soutien ou trop les emphasized, je sais pas comment on pourrait traduire ça, non emphatique, en tout cas qu'il faut qu'elle ait du son. Donc, comme si on sifflait entre les deux notes. Le métronome sont juste des idées de départ. On va regarder ce que ça donne à 76. Et on va tenter, c'est vraiment, ça ressemble au travail de souplesse dans Armand finalement. Là, ça va à peu près, mais j'arrive pas à aller plus vite que les triples croches qu'ils proposent. Là, on va essayer de continuer un peu. Je vous mets, si vous vous demandez d'où vient ma trompette, c'est une trompette néo-baroque de Laurent Renault que je peux jouer du coup, qui est fabriquée pour être jouée avec une embouchure habituelle. Et pour l'instant, là, je la travaille avec une embouchure Bresselmeyer G2, mon embouchure de trompette à palette. Voilà. Et puis. On va voir après par la suite si c'est ça qui est le plus adapté ou pas pour cet instrument. Évidemment, ça change là quand on utilise les. Ça change quand on utilise pour faire le fa bécart le trou et du premier doigt. Et en même temps, ça demande de vider de l'air aussi. On continue. Ok, et ensuite avec un fa dièse, donc cette fois-ci bouché. Ok, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Le prochain stream sera demain à 10h30. En tout cas, là pour ces 3 premiers jours, je vais tenter le matin. On verra si c'est ça que vous préférez ou plutôt l'après-midi, je verrai ça. En tout cas, je vous rappelle la page YouTube sur laquelle vous pouvez trouver les replays de ces streams et puis d'autres petits enregistrements de trompettes que je peux faire par ailleurs. Ma page Facebook aussi pour être au courant des prochains concerts. Et des prochains streams, etc. Enfin, de toute mon actualité. La chaîne de Fabian, qui sur Twitch, qui est celui qui a démarré ses streams de la trompette le premier et qui m'a motivé pour le faire à mon tour. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous les nouveaux followers de la chaîne. N'oubliez pas de suivre la chaîne avec le petit cœur. Quelque part autour de la vidéo, il y a un petit cœur violet pour suivre les prochains streams et être au courant, informé aussi à chaque fois que je suis en direct. N'hésitez pas à vous abonner aussi, surtout si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime, auquel cas c'est gratuit pour vous de vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour le prochain stream.